Salut tout le monde, c'est YanSTR et nous nous retrouvons pour la troisième session de Cave Story. Et je n'attends pas mes amis, je n'attends pas. Je vais commencer direct cash. Pour cela, alors, d'abord, pour ce qui est des gros monstres en haut, la grosse valise transformée en grenouille, et ben j'ai décidé en fait. Voilà, j'ai pris une petite décision. Comme vous voyez, mes armes ont diminué à cause de multiples failles d'avant, de la session d'avant. Et donc, j'ai décidé donc d'aller chercher les deux autres ingrédients pour fabriquer la bombe. Ce qui veut dire qu'on va se faire le combat bien plus tard. Et comme ça, ça me permettrait au passage de récupérer toute ma vie au maximum. Et de pouvoir m'attaquer à cette grosse grenouille. Bien plus tard. Donc je vais attaquer tous les ennemis sur mon parage. Uniquement pour l'XP. Oh, et en plus on me donne même des munitions. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais mettre au maximum justement. Oh super, mon flingue est redevenu au niveau 3, le niveau d'avant. Super. Vous voyez, ça progresse bien un peu. Donc voilà. Voilà, donc je vais chercher les autres ingrédients. Ouch! Non, il est retombé! Bon, c'est pas grave. Donc on va laisser les ennemis qu'on a tués avant là où qu'ils étaient. On va pas retourner dans la salle exprès pour rebattre ces trucs. Non, on va récupérer donc les deux ingrédients qui étaient le charbon et le jus de méduse. Donc ça implique en fait que je vais réattaquer cette méduse géante. Oh, je déteste les level down. Non, 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 non. Oh, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ah mais pourquoi j'ai pas pensé à la sauvegarde? Je prends la sauvegarde justement pour repopper mes vies. Mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Bon, par contre, si vous voulez juste m'excuser un peu, je crois que le son est un peu trop fort. Voilà. Donc, on va récupérer donc notre vie. Et je vais sauvegarder ici, en fait, pour avoir la vie au max. Comme ça. On va tuer la grosse grenouille. Et le vieux fou, là, tout au bout, va être content. Tu vas être content de moi, tu vas être fier. Tu vas être fier. Oui. C'est ça. Faites comme si j'étais... je vous avais pas vu. Car sachez aussi que vous allez tous périr dans cette souffrance. Et... ne pas utiliser la lance roquette. La lance roquette, je vais l'utiliser justement pour cette grosse grenouille. Et voilà, mon lance-missile est au niveau 3, je vais le mettre jusqu'au niveau max. Donc on va récupérer donc les deux autres ingrédients, donc j'imagine qu'il faut repasser par là. Non, mais alors comment on fait? Voilà, comme ça. Les petits pièges à la con. Vous m'aurez pas comme ça, hein, avec ces pièges. Oh non, je suis hyper piscasse. Et par contre, j'ai l'impression qu'il y a plus de chauves-souris. Que... oui, il y a plus de chauves-souris. Eh bah, dis donc, ils se gênent pas, hein. Je me suis fait tuer 3 fois par une grosse grenouille. Et voilà qui se mettent à la race d'un ami. Wesh, vas-y, va. Voilà, au max pour cette arme, donc deuxième arme maintenant.
Voilà, au max pour les trois armes. Et je vais essayer de maintenir ce niveau tant que je me fais pas tuer par... Oui! Ah mais j'y pense, il y avait un ventilo de l'autre côté parce que je me suis dit... Non, 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 mais non, non, pas ça! Mais j'irai trouver Thomas, c'est bon, Max, bon. Ils sont sadiques! Ils sont sadiques! Ils sont sadiques! Ils sont sadiques! T'as pas d'autre choix, tu dois mourir! Marche ou crève, c'est notre devise! À la société, à la Cave Story, c'est notre devise! Marche ou crève! Ce jeu est complètement sadique! Oh purée! Elle est pas pire non plus que Super Meat Boy, mais... Oh putain, putain, putain. Comment j'ai pu faire un fail pareil? Oh putain. Non. Ah mais écoutez-moi cette ambiance. Oh non mais en plus. Allez, je perds toutes mes vies. Oh mais non, j'ai les récupérer. Bon vas-y. De la vie, hein, on essaye. Ils sont pas d'XPM de... Hey! Mais non, mais pas le level down! Non! Oh. Voilà, niveau 3. Et je crois que je vais récupérer de la vie. Ma ligne de la sauvegarde. Ma ligne de la sauvegarde. Oh purée. Mais... Oh non, je vais juste récupérer de la vie. Pas de manie de la sauvegarde. Je vous promets, je vais faire une exception uniquement pour cette salle. Pas de manie de la sauvegarde. Juste la manie de l'XP maintenant. Ah. Si c'est pas la sauvegarde, c'est forcément un autre truc. Oh oui, c'est forcément un autre truc. C'est soit de la vie, soit quelque chose d'autre. Mais forcément un truc. Donc XP et aussi les deux charbons pour charcuter sa viande. Non, 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 pour faire une bombe. Donc du chewing-gum, on va le récupérer juste après. Ah, misère. Quelle bande de sadisme aussi. Avec comme seul point faible sa gueule qui s'ouvre, super. Pourquoi il m'a pas parlé ça? Bon, j'imagine qu'il doit savoir, non, que je dois, que le but d'un playthrough c'est de ne pas spoiler, mais il aurait pu me prévenir. Oh putain. Enfin, vous voyez au moins de qui je parle, non, je ne pense pas. En fait, je parlais de mon ami qui m'a fait découvrir ce jeu et qui m'avait donné aussi les quelques astuces avant de commencer la deuxième session. Voilà donc. Après, il n'y a plus que le relance-roquette. Là, il faut pas que je m'enfuie. Non, mais je veux pas! Ouh, putain, qu'est-ce qui se passe? Pas que je m'enfuie. Non, mais je veux pas! Encore une fois. Oh putain, non. J'y crois pas. Mais non, mais je veux pas du muscle, moi. Oh, sont radins en plus. En plus d'être fourbes, ils sont radins. Je suis maudit jusqu'à la fin des... Ah, oh, mais je t'avais pas vu, mais c'est quoi ce truc? Ah, oh, je suis maudit jusqu'à la fin des dents.
Ce jeu est complètement maudit, mes amis. Ils m'ont maudit à mourir. Comme un clocheur. Oh, purée! Non, mais j'allais faire la mère recroque. Oh, purée! Purée, purée, purée. Ah, oh, ce jeu, ce jeu. Allez. Concentre-toi, Yann STR. Tu veux y arriver. Tu peux y arriver. Ton but n'est pas que de l'XP, mais aussi chercher des ingrédients. Alors, dépêche-toi aussi de tuer tous tes ennemis afin qu'ils ne pas tuer ta chienne et tout ça. Non, mais ne raquiche pas tes roquettes! Oh. Non, mais j'ai halluciné en plus, j'ai caché deux roquettes. Deux roquettes de niveau 2. Non, ils sont fous. Whiz! Ouh, purée, ils sont fourbes. Ils sont fourbes là. Wheat! Voilà. Et comme ça, hop! Voyez, c'est facile! Enfin, je dis, c'est facile. Non, c'est un dur! Voyez, à peine je commence la session, je deviens déjà fou! Et on va enfin chercher du jus de méduse pour notre premier ingrédient. Ah, par contre, Charco, je me demande s'il a pas du charbon lui. Ils ont des cheminées à ce que je sache. Ah oui, j'avais oublié aussi système d'air. Ça fait longtemps que je suis pas retourné à l'eau non plus. Et voilà! Tout est au niveau 3, mais pas au max. Donc, Charco. D'abord, Charco, il a forcément quelque chose. Allons voir. Charco, pour éteindre le feu, il te faut. Mais je m'en fous du jus de méduse! Je me demande juste si t'as du charbon. J'ai les méduses, vise leur. Mais j'ai dit, c'est moi, mais je veux du charbon! Non, mais il veut. Oh, merde. Tant pis. Pas de charbon. Ah, que. Pas de charbon. Du voilà, je trouve. Et moi, je cherche du charbon. Ordure! Oh, misère. Donc maintenant j'ai plus besoin de ta cheminée, Charco. Tu peux re-remballer. Oula, j'avais complètement oublié. C'était plein de mobs ici. Enfin au max. Donc on va chercher le jus de méduse. Et peut-être que Santa, si je sais bien son nom, oui, Santa, a du charbon. Avec un peu de chance, il y a forcément un qui peut me donner un des ingrédients. Oh oh. Oh. Non, 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 non! Tu te casses avec tes conneries! Oh, misère. Toi aussi! Non! Tu ne viendras pas. Voilà. Je ne veux pas refailler une deux secondes fois. Et être aplati comme une crêpe par une grenouille géante non plus. Donc la reine est toujours en haut? Oui, elle est toujours en haut. Non mais non mais non mais tu casses bordel. Oh misère. Ils veulent pas me laisser tranquille pour une fois. Tout ce que je veux, c'est être en paix pour pouvoir farmer un peu. Bon.
Maintenant que tout a été exterminé, on va pouvoir exterminer ces méduses et récupérer du jus de méduse. Donc c'est parti. Et pouvoir nous fabriquer une partie de la bombe. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Parce que je suis ton père. Non, je déconne. Oui, sans blague, je connais l'histoire du jeu de Medeus, hein, pas la peine. Et on ne peut en porter qu'un. Donc on n'en portera qu'un. Voyez, du jus de méduse. Fluide qui peut éteindre le feu du bois. Fluide qui peut éteindre le feu de bois. Mais attends, il veut faire une bombe, il veut pas faire un truc qui s'éteint. Bon, peut-être qu'il peut qu'il ait sa notre particularité.